matin à toutes et tous. On se retrouve pour les énergies de ce mercredi 8 mai 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors avant de commencer, petite philosophie du matin, n'est-ce pas ? Vérité. Ah, les vérités, quelquefois on n'aime pas quand on nous dit les vérités, parce qu'on sait dans le fond de soi que c'est la vérité et on est là, on n'accepte pas. Alors, vérité. Les vérités que l'on aime le moins entendre sont pourtant celles dont on a le plus grand besoin. Eh bien voilà, tout est dit. Même si on n'a pas envie de les entendre, eh bien, il faut les entendre pour améliorer peut-être certaines choses en nous. Aujourd'hui, j'ai pigé « Homme qui tient un cœur à l'envers ». Eh bien, cette carte peut indiquer que vous avez un lien ou même une relation difficile, mais vraiment très très difficile avec un homme qui a tendance peut-être à se mettre en colère, à tromper ou à critiquer. Peut-être que cet homme ne fait que vous critiquer. Cet homme se met en colère pour un oui ou pour un non. Cette relation, eh bien, elle n'est pas positive avec cette personne. Et son comportement pourrait être attribué à la peur et au doute de soi. Mais il ne l'admettra jamais parce que sa fierté et son orgueil priment chez cet homme. Quoi qu'il en soit, n'est-ce pas, n'oubliez jamais, jamais, que vous méritez le respect dans toute relation. Alors, établissez des limites et ne vous laissez pas influencer par ce chaos émotionnel. Parce que, présentement, vous êtes dans un chaos émotionnel. Vos émotions sont quadruplées. Et parce que vous êtes dans ce chaos émotionnel, eh bien, vous n'arrivez plus à avancer. Vous êtes peut-être dans cette addiction émotionnelle, dans cet amour, émotionnel. Mais attention, parce que cet homme pourrait être un manipulateur, pervers, narcissique. Si maintenant ça parle à quelques-uns qui m'écoutent, quelques-unes, parce que ça peut être féminin et masculin, n'est-ce pas ? Eh bien, il y a des grandes décisions à prendre. Faites-vous aider. Il est primordial que vous fassiez cette démarche d'aller demander de l'aide. Parce que vous n'arriverez pas à vous en sortir seul. Peut-être que cette personne, elle vous a humilié, elle vous a mis dans un cocon, elle vous a, pour mieux régner, n'est-ce pas ? Donc, votre âme, eh bien, elle souhaite la paix. Elle souhaite la paix et surtout la paix émotionnelle. Voilà, ça me parle beaucoup, hein, cette carte, parce que je l'ai vécu avec, personnellement, je l'ai vécu quand on est dans une addiction émotionnelle, amoureuse,
C'est difficile, hein, de prendre du recul et de prendre des décisions, hein, on est dans cette demande émotionnelle, dans cette attente aussi, hein, et c'est très difficile. Mais encore une fois, voilà, si ça parle à certains d'entre vous, cette carte, elle vient vous dire qu'il est réellement nécessaire de prendre de grandes décisions. Voilà. Et message de ton âme, se séparer. Mais écoutez, belle synchronicité, n'est-ce pas ? Belle synchronicité. Il y a un lâcher-prise. Se séparer, lâche-prise. Laisse aller. Et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Waouh, quelle belle synchronicité, dites. C'est incroyable. Le hasard n'existe pas, n'est-ce pas ? Je le dis à chaque fois, le hasard n'existe pas. Se séparer, voilà quand je vous disais qu'il y a des grandes décisions à prendre. Pour certains d'entre vous, si ça parle à certains d'entre vous, voilà. Vous êtes une belle personne, ne doutez jamais, jamais que vous êtes une belle personne, vous avez une belle âme. Réagissez. Waouh, ça me parle beaucoup, hein. Allez, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à demain.